Alors, dernier outil d'analyse fonctionnelle pour décrire des systèmes, c'est ce qu'on appelle le diagramme FAST. Donc FAST, ça veut dire Function Analyse Système Technique. Donc c'est un système en fait qui va décomposer la fonction principale ou la fonction de service de notre système en différentes fonctions élémentaires, et on va donner à chacune de ces fonctions élémentaires une solution technique. Donc depuis le début, on dit qu'on ne doit pas trouver des solutions techniques aux fonctions. Là, dans le FAST, c'est le diagramme qui va nous permettre justement d'associer une solution technique à une fonction élémentaire, à une fonction de service. Donc en fait, ça va fonctionner en arborescence. On va partir de notre fonction de service, donc notre fonction principale, et on va décomposer en fait petit à petit cette fonction en fonction élémentaire, fonction technique d'abord, puis en fonction élémentaire et enfin en solution technique. En fait, c'est comme si on faisait un zoom sur le système. Donc on regarde d'abord la fonction globale. Puis petit à petit, on rentre dans le système jusqu'à arriver aux solutions techniques associées aux fonctions élémentaires. Donc notre diagramme FAST, en fait, il peut être aussi long que l'on désire. En fait, si on zoome après, on peut toujours zoomer en fait sur les fonctions élémentaires pour détailler de plus en plus en fait les solutions qu'on a choisies pour chacune de mes fonctions élémentaires. Petit exemple pour illustrer le diagramme FAST. On va reprendre l'exemple de notre radio réveil. Donc toujours pareil. Ici, on a un FAST incomplet, c'est-à-dire que c'est une infime partie du diagramme qu'on pourrait faire du radio réveil. Donc, on va s'intéresser à la fonction principale du réveil qui est de donner l'heure. Donc, cette fonction principale, on va la décomposer en une autre fonction technique numéro 1. Donc, on va s'intéresser par exemple à afficher sur notre réveil l'heure et les minutes. Cette fonction technique numéro 1, on peut aussi la décomposer en deux autres sous-fonctions élémentaires. Donc, afficher les heures et afficher les minutes. Et donc pour chacune de ces fonctions élémentaires, on va associer une solution technologique en vert qui va permettre de répondre à la fonction, par exemple, afficher l'heure et afficher les minutes. Donc la solution qu'on a trouvée depuis longtemps d'ailleurs sur la fonction afficher les heures, on a donc une petite aiguille. Et pour afficher les minutes, on a donc la grande aiguille. On pourrait très bien rajouter la fonction technique 1.3, afficher les secondes. Donc là, on aurait aussi une autre aiguille qui permet de faire ça. Donc là, pareil, comme je vous dis, c'est un FAST incomplet. On s'est intéressé uniquement à la fonction technique afficher les heures et les minutes. On aurait pu très bien s'intéresser à la fonction technique, par exemple, avertir l'utilisateur pour le réveiller. Donc là, on aurait trouvé d'autres fonctions élémentaires et d'autres solutions techniques. Pareil pour la fonction principale, on peut faire le FAST aussi avec une autre fonction principale. Et en fait, détailler comme ça, en zoomant quelque sorte les fonctions principales, fonctions techniques et fonctions élémentaires, jusqu'à arriver aux solutions techniques. Donc en fait, ce diagramme FAST, il est intéressant dans le fait qu'on va vraiment détailler en fait précisément ce dont on a besoin pour trouver une solution précise en fait associée à une fonction technique. Ça permet vraiment de décomposer notre système et de se poser les bonnes questions associées aux bonnes fonctions.